Bonsoir à tous. C'est bien moi, René Cabassé de Bruxelles, autrement dit le petit-fils de Djoka Kabengele, ou encore le fondateur ou le gérant de la page Facebook Station One. C'est moi qui a créé cette page. Si j'ai créé cette page, ce n'est que pour rendre hommage ou rendre l'honneur à mon grand-père, que j'appelle toujours le grand bulldozer de la presse congolaise, qui est Djoka Kabengele. Et à ce moment, mon grand-père, Djoka Kabengele, il est attristé parce qu'il vient de perdre un ami, un grand frère qui était très cher pour lui. Moment où je vous parle, nous tous, on est en deuil. On vient de perdre quelqu'un qui était très cher pour nous. Non seulement pour la famille, pour des connaissances, des amis, pour toutes les personnes qu'il connaissait. Aujourd'hui, mon grand-père, Tibasuka Bengi le joli, n'est plus là. Il a rendu l'âme. Je sais, ce n'est pas facile. Moi et vous, nous ne connaissons pas les secrets de la mort. Ce n'est que Dieu qui connaissent les secrets de la mort. On ne peut pas le juger, car c'est lui qui a permis que cela arrive. C'est lui qui a permis prendre mon grand-père, qui était le colonel du PCR, avec beaucoup de tristesse, surtout pour mon grand-père, Djoka Kabengele, qui était tout le temps avec son frère. Il n'était pas seulement son frère, mais il était un ami aussi pour lui. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Je dirais à mon grand-père, Djoka Kabengele, le grand bulldozer de la presse congolaise, d'être fort, car nous ne connaissons pas les secrets de la mort. Nous marchons, nous dormons, mais il n'y a personne qui connaisse les secrets de la mort. Aujourd'hui, votre grand frère, votre ami, Tibasu Kabengele Joly, n'est plus là. Mais c'est le bon Dieu, le Dieu très haut, qui connaît pourquoi il a pris l'âme de mon grand-père. Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un qui était très cher pour vous. Mais ma prière est que le bon Dieu vous assiste, vous fortifie, qui vous donne encore la force. Acceptons cela, car nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter la mort. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Remercions seulement l'Éternel, adorons-le. Car on nous a dit, à chaque moment, à chaque circonstance, on doit le louer, on doit l'adorer. Je présente mes sincères condoléances à toute la famille Kabengele, à la famille Tibasu. Particulièrement à mon grand-père,
Djuka Kabengele, à mon grand-père Raph Kabengele, à mon grand-père Peter Kabengele, à mon grand-père Martino Kavala, grand prêtre, à mon grand-père Dieudonné Kavala, ainsi qu'à ma tante Lisette Kabengele, à mon oncle Chimite Kabengele. Tenez-nous bon. Que le bon Dieu soit loué. Parce que c'est lui qui connaît ce qui s'est passé. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là d'arrêter la mort. Soyez forts. Dès son vivant, le colonel Joly Tchibassou avait toujours fait preuve de maîtrise de son travail qu'il exécutait non seulement avec dévouement, mais aussi avec rigueur sur fond de courtoisie. C'est non-sens, raison d'ailleurs que la responsabilité de conduire la police des circulations routières Kinshasa-Centre lui avait été confiée. Sa compétence, il l'avait. Toujours utilisé au profit des usagers de la route afin d'assurer une meilleure régulation de la circulation sur les artères de la capitale congolaise. L'avènement des sauts de moutons, l'une des circonstances dans lesquelles il a eu à la manifester. Na kansi ne bande la basote mouton ebele ya ba population ebele ya ba batambolaka ba monaki lokoyo za ki makambo moko ya maseki oyo ba konji ba kanisa ki kaka pona ko sala ke za maseki te. Et c'est là qu'il y a un mot où l'État congolais a salissé pour diminuer l'embouteillage dans le cadre de la balabala. Décédé le 27 septembre 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa, cet officier supérieur de la police nationale congolaise a été conduit le lundi 11 octobre 2021 à la nécropole entre terre et ciel, où il repose pour l'éternité.
quelques secondes en retard, ce qui peut dire qu'on va nous bloquer. Ndeko oyo akona mi pona témoignage à police. Bandeko mbote na biso. Mbote les susu. Et ça, on y a un peu de temps.
et dans les bongo, les règlements et tindi. Disposition est à la malade. Il y a moins de bâtiments. C'était un homme incroyable, dévoué et là pour tous. Tu vas manquer à tous ceux qui t'ont côtoyé. Nous garderons toujours un souvenir positif de toi, tes blagues de soirée passées à tes côtés, de ta gentillesse, de ta générosité, de ta grande dame en général. Papa, tu laisses un grand vide dans nos vies, mais sache qu'il y a toujours une place pour toi dans nos cœurs. Pour t'honorer, nous savons que tu n'étais pas définitivement parfait, mais nous n'aurons jamais pu demander un meilleur papa. Tu nous as fourni tout ce qu'un enfant peut demander à un père. Nous sommes certains que tout ton entourage est de même avis que nous, tes enfants. Tu étais un homme incroyable, dévoué. Come on, come on.
nous disant au revoir. Reste dans la langue choc à Césaïe en Chiluba. Nous dirons tout simplement, mon commissaire Joli Tibassou, voilà Guilherme. Je vous remercie. Mais demandons à la personne ou au nom de son nom qui détient la manivelle de l'Église, qui devait vraiment la manivelle de l'Église. La manivelle de l'Église. Les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau, pendant au moins une heure du temps. Et si la famille veut, elle peut laisser un ou deux témoins qui assisteront aux travaux. Auquel cas, vous faites confiance, vous pouvez rentrer, revenir demain ou le lendemain, pour voir comment on a travaillé. Merci, et maintenant, nous allons faire d'abord la descente, ensemble avec l'honorabilité. Et ensuite, la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot, éventuellement une courte prière. Voilà. Et maintenant, nous allons confier son corps à la terre. Nous ferons d'abord la descente, ensuite la descente, ensemble avec l'honneur militaire. Et ensuite, nous allons faire un membre de la famille pour un dernier mot.
ou à un pasteur ou à quelqu'un spirituel. Une fois descendu dans les caveaux ici, on ne met que des fleurs naturelles en signe de revoir. Et pas de fleurs plastiques ou synthétiques. Et ni des vieilles habits dans les caveaux. Sur la tête. Voilà, chers collègues, le dernier demeure de notre cher papa. C'est ici. Je reviendrai visiter sa dernière demeure physique dans le quartier VIP à Kia. Et maintenant, nous allons confier son corps à la terre. Nous ferons d'abord la descente, ensuite la descente ensemble avec l'honneur militaire. Et ensuite, nous allons avec un membre de la famille pour un dernier mot. Ou à un pasteur ou à quelqu'un inspiré. Une fois descendu dans les caveaux ici, on ne met que des fleurs naturelles en signe de revoir. Et pas de fleurs plastiques ou synthétiques. Et ni des vieilles habits dans les caveaux. C'est pour la conservation du cercueil et des son corps. Et les fleurs plastiques ou synthétiques que vous avez amenées, c'est pour embellir la tombe. On les mettra au-dessus de la dalle. Et quand la dalle sera sèche, après quelques jours, comme vous voyez partout ailleurs. Les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau, pendant au moins une heure du temps. Et si la famille veut, elle peut laisser un ou deux témoins qui assisteront aux travaux. Auquel cas, vous faites confiance. Vous pouvez rentrer, revenir demain ou le lendemain, pour voir comment on a travaillé. Merci. Et maintenant, nous allons faire d'abord la descente ensemble avec l'honneur militaire. Et ensuite, la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot, éventuellement une courte prière. Chers autorités, vous avez la parole pour la descente. La descente d'abord. L'honneur pour la descente, si on laisse la famille. C'est aussi une occasion pour que
nous puissions aussi nous connaître. Moi, j'ai un seul défaut. Je le tiens, le visage un peu difficile. On se croise sur la route. Hein? Présentez-vous, dites que moi, c'est elle. On a été comme ceci. Alors là, ça vient. Si vous me voyez passer, ne m'en tenez pas les gueules. Présentez-vous. Nous sommes une famille. Papa William, n'est-ce pas? C'est ça, papa. Papa Guy, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, moi, c'est mon grand défaut. Mais s'il faut encore ajouter à cela les noms, oh là là, ça devient compliqué. Donc, ce soir, nous avons invité, nous avons fait un peu. Dès son vivant, le colonel Joly Tchibassou avait toujours fait preuve de maîtrise de son travail qu'il exécutait non seulement avec dévouement, mais aussi avec rigueur sur fond de courtoisie. C'est non-sens, raison d'ailleurs que la responsabilité de conduire la police des circulations routières Kinshasa Centre lui avait été confiée. Sa compétence, il l'avait. Toujours utilisé au profit des usagers de la route afin d'assurer une meilleure régulation de la circulation sur les artères de la capitale congolaise. L'avènement des sauts de moutons, l'une des circonstances dans lesquelles il a eu à la manifester. Na kanisi ne bande la basote mouton ebele ya ba population ebele ya ba batambolaka ba monaki lokoyeza ki makambo moko ya maseki oyo ba konji ba kanisa ki kaka pona ko sala ke za maseki te. Et c'est là qu'il y a un mot où l'État congolais a été mis en place pour diminuer le bouteillage dans le cadre de la balabala. Décédé le 27 septembre 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa, cet officier supérieur de la police nationale congolaise a été conduit le lundi 11 octobre 2021 à la nécropole entre terre et ciel, où il repose pour l'éternité. Au nom de la famille Kabengele, je viens vous remercier pour votre assistance au moment de tristesse. Car dans des moments comme ça, ou dans des moments difficiles, qu'on connaît les vrais, merci pour votre assistance. Ça nous va droit au cœur. Que le bon Dieu vous assiste, que le bon Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Merci pour vos appels, merci pour vos messages. Merci à vous qui étiez là physiquement pour rendre hommage à votre frère, à votre grand frère, à votre grand-père, à votre ami qui était Tchibassou Kabengele Joly. Merci à tous. Nous ne pouvons pas rester silencieux sans vous remercier. Vraiment, ça ne va droit au cœur. Et merci à mon grand, les doyens des doyens, Rico Kambembe. Merci pour votre aide. Surtout pour les images que vous avez fournies à l'équipe Station One Belgique, qui est dirigée par moi, les petits-fils, les gérants ou les fondateurs de la page Station One. Merci à tout le monde. Restez là. C'est tout, n'oublions pas de continuer de s'abonner ou d'aimer la page Facebook Station One. C'est là va nous aider d'avoir encore beaucoup d'abonnés. Merci à tous. Merci.